Plop les gens, de retour sur Factorio, défi, il n'y a pas de cuillère, la cuillère n'existe pas. Il nous reste à peine plus de 3 heures. Donc j'ai laissé, j'ai fait une pause depuis une semaine du coup. De mémoire, il nous restait à faire les potions jaunes, deux recherches qui ont besoin des potions jaunes, donc il va s'agir d'en faire une grande quantité, et lancer la fusée. Donc normalement 3 heures c'est jouable, même c'est censé être large je pense. Après, donc là je vois qu'on a quand même pas mal de potions d'avance, de potions violettes surtout, et de bleu aussi, il me semble que c'est deux qui sont un peu longues à fabriquer. Donc normalement c'est pas les potions violettes qui vont nous embêter. Donc c'est vraiment la partie jaune et éléments de fusée où il faut en faire beaucoup. Donc voilà, c'est tout. On va s'y mettre. Si, juste pendant que je vois, on avait déjà préparé ou fait même la partie... comment ça s'appelle ? Potion... processeur, donc circuit bleu. Donc normalement pour faire les potions il reste deux éléments. C'est quoi les trucs pour les robots? Du coup j'ai fait tout ça sans robots. J'y ai pensé vers la fin du stream dernier. Ah mais en fait j'aurais dû faire des robots pour m'aider un peu à poser tout ça plus vite, mais ce n'est pas fait. Donc on va pouvoir peut-être en faire quelques-uns là avec les potions, vu qu'on les a quasiment fait quand on fait les potions jaunes. Il reste quasiment rien. Il faut juste genre deux machines, une pour faire des spatioports et une pour faire... Enfin, des robots-ports et une pour faire des robots. Ou deux pour faire des robots, pour les deux types de robots. Et voilà. Bref, j'ai fait un long résumé. Vous en aviez peut-être pas besoin dans la vidéo. Mais pour le live et pour moi-même, c'est un bon rappel. Donc c'est reparti. Voilà, le timer a bien repris. Nous disions potion jaune, processeur, voilà, il faut les châssis de robots volants et les structures à faible densité. Les châssis... Alors les structures à faible densité, c'est facile. Cuivre, acier, barre de plastique, par contre c'est long. Et les châssis de robots volants, acier, circuit électronique, et il faut les éléments de moteur électrique. Donc éléments de moteur électrique et batterie, je crois qu'on n'a pas du tout. Donc ça, il faut des éléments de moteur et des circuits verts, ça va. Et du lubrifiant. Pas oublier le lubrifiant. Donc là, il y a des moteurs, des circuits verts, il manquera plus que le lubrifiant. Donc ça, ça va. On avait dit les batteries, elles sont faites avec de l'acide sulfurique. Donc on a de l'acide sulfurique juste ici, par exemple des plaques de fer et des plaques de cuivre. Ok, il va nous falloir fer cuivre acier, donc fer cuivre plus ou moins. Peut-être faire plutôt descendre un autre ici, donc un cuivre qu'on ferait descendre, un fer là par exemple qu'on ferait descendre, fer cuivre ou même ici, parce qu'au final il est pas beaucoup utilisé celui-là. Fer cuivre et acier. Acier il est là. On peut peut-être le faire traverser aussi ici. Voilà. Ok, et le cuivre. Le cuivre, ce qu'on va faire, c'est ça. Bon, même ça. Tac. Alors, l'idéal... L'idéal, ce serait peut-être de passer ici.
J'ai l'impression que le PC lag, c'est parfait. Donc fer, cuivre, l'acier, on va voir, c'est pas le plus urgent. Enfin je sais plus. Il faut... oui, c'est où? Ah! Alors il va falloir faire des... des batteries, on a dit. De mémoire, les batteries, c'est pas très rapide à se faire. Donc là, on en a mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est même beaucoup en fait. En vrai, c'est beaucoup. Bon, même 5, ça me paraît déjà beaucoup. Hop, batterie. Tac. Truc comme ça. Ok, et il va falloir... en rentrer des éléments et en sortir d'autres. Donc rentrer, on a dit ici. Il va falloir un mix. Ok, ça tombe pile poil. Voilà. Et en sortie, on va avoir nos batteries. Voilà. Donc on a tout. Enfin, on a la batterie. On a besoin de moteur électrique. Donc on avait dit moteur circuit électronique. Donc les moteurs sont là. On a besoin du lubrifiant aussi. Où est-ce que j'ai mis le lubrifiant? Je l'ai mis là, logiquement. Je l'ai jamais fait descendre. D'accord. Est-ce que j'ai des tuyaux? 50, c'est peut-être un peu juste. Je sais pas, ça fait beaucoup, mais... ça fait beaucoup et juste à la fois. Là, on devrait être large. C'est quoi ça? C'est l'eau que j'avais mis au début. Ouais, c'est moche. Voilà. On va le faire venir. Le lubrifiant. Attendez, le lubrifiant, on va le faire. On peut le faire passer là normalement et le faire revenir. Donc pour le faire passer là, c'est... on va le faire longer ici et puis on redécalera après. Voilà. Et j'ai oublié, j'aurais pu mettre un, une pompe.
aussi. Là, ce que je veux, même ici, ça va bien. Ça, là. Ok. Ceci. Dit que je voulais pas le faire trop tôt, mais normalement c'est parfait en plus. 2, 3, 4, 5. Tac, tac. Et voilà. Ici on met des moteurs. Là, on veut des bras, non, dans l'autre sens. Et des potals. Voilà, Potalzo. Donc, on a des batteries, des éléments de moteur électrique. J'aurais pu essayer de l'inverser. Ouais, c'est celui-là qui était un peu plus relou. Tant pis, comme ça, ça aurait posé sur le même tapis, mais c'est pas si grave. C'est pas si grave parce que de toute façon... Genre là, on va pouvoir faire... Oula ! Oula ! Ils viennent d'où? Ils viennent pas de là, ils viennent d'où? Sinon, ici non. Là-haut peut-être. Là. Ok. Ici on a dit qu'il fallait des structures à faible densité. Voilà. Chose faite. C'est tout? Ah si, j'étais... Voilà, j'ai des machines d'avance. Ok, c'est où? Voilà. J'ai plus de tapis. Où sont mes tapis? Là. Est-ce que j'ai des bras tant que j'y suis? Plus tant que ça. Des machines, je viens d'en lancer plein. Quand même en prendre la moitié. Des engrenages. Engrenages, ça peut me permettre de faire des machines plus rapidement. Et ça aussi. Je l'ai peut-être trop collé cette fois. Est-ce que... Nya, nya, on a dit que ça, ça avait besoin de 3 éléments. Donc il va falloir 2 tapis.
Donc deux tapis en entrée. On va laisser un tapis de large en fait. On va mettre les deux tapis en entrée ici. Ou on verra si on met le plastique ici. Parce que le plastique il vient d'où? Il vient de là. Il est rerouté là-bas. Du coup on va le faire venir ici. Ça peut le faire. Là, ça passe, c'est super. Par contre, on va faire comme ça. Il va pouvoir le prendre d'ici aussi. Oh punaise. Il a besoin de combien de chaque? Il a besoin de beaucoup de cuir et pas beaucoup d'acier. Enfin, relativement peu de... d'acier et de... machin. Alors, ici, on va dire qu'il a beaucoup besoin de beaucoup de plastique. Non. On a dit quoi? On a dit beaucoup de plaques de cuivre, mais pas beaucoup du reste. Voilà. Et voici. Voilà, comme à chaque fois j'ai oublié. Là. Ok, ça c'est bon. Ok, là ça devrait être bon. On a 1, 2, 3, on a tout. Il me semble qu'on a tout. Je peux refaire le même truc que là, mais avant de me faire harceler de trop par les beaters, par les biters, on va aller leur dire deux mots sur ce qu'on pense de leur attaque. On essaie de partir vite, on n'a pas besoin de leur aide pour ça. Oh, je dis
Ça, j'ai pas pris de munitions. Tac, tac. Ok, ça devrait aller. C'est bon, c'était que ça, ça devrait aller. Voilà, si le camp c'était vraiment que ça, ça c'est bon, c'est pas encore atteint par la pollution. Ok. Tu fais beaucoup de munitions un peu en panique, mais vaut mieux. Il vaut mieux paniquer un peu. On fera pour tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont revenir? Forcément. On les connaît. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Ce qu'on peut essayer de faire rapidement, peut-être. Il faut de l'acier, des engrenages. Ça, c'est déjà plus possible. Genre, on peut se mettre là. Ah mais non, j'ai dit une bêtise, moi. Gna gna. Il va me falloir de l'acier, j'en ai tout à droite. Des batteries, j'en ai là du... Ouais. Ok, non, là j'ai fait une bêtise. Ici, ce qu'on veut, c'est plutôt ça. Et il nous faut juste de l'acier qui est censé arriver ici. Et de... Les circuits électriques qui arrivent de là. Ça, c'est possible. Non. Ton voisin, on va le mettre de l'autre côté. Où ça? C'est parti. Hein. J'ai pas beaucoup de munitions, il me manque des chargeurs. Les chargeurs, je peux en faire plein, il me manque de l'acier, ok. Retour sur la carte. Ah oui, la pollution, elle s'étale beaucoup à droite et c'est sûrement eux qui m'en veulent. Sauf qu'ils sont un peu loin et que j'ai pas envie d'aller si loin. Donc, la petite astuce, ça va être de mettre une tourelle là et une ici. De leur donner pas mal de missions à chacune, de les réparer, voilà, et de se casser, de les laisser faire, en espérant que ça suffise. C'est peut-être un peu trop, c'est peut-être pas exactement sur leur trajet, du coup ça va pas le faire, on verra.
C'est marrant que celui de droite il soit blindé, mais pas celui de gauche. Oui. C'est pas ouf ça. Voilà. C'est pas ouf parce que c'est aussi lui qui génère mon arrivée de... Ok. Ma production d'acier dépend de lui, donc... Donc c'est pas ouf. Mais... ce qu'on peut faire... Ah, il y a lui qui est totalement pas rempli. Ce qu'on va faire... Toi, tu vas arriver jusqu'ici. Toi, tu vas récupérer... celui-ci. Toi, tu vas là. Toi, tu vas continuer. Non, c'est bon. Hop. Voilà, en fait, ici, il manque tous les bras. Tous les poteaux. Ok. C'est pas comme si on avait besoin de faire, hein, jamais. Pas du tout le jeu où on a besoin du faire du début à la fin. Tac. Pendant que je suis là, je vais reprendre des bras parce que justement. On a besoin de fer et de bras tout le temps. Que faire la fonderie, ça demande son petit lot de bras. Voilà, c'est fait. Il reste une ligne à faire de cuivre un jour peut-être, et qui est pas dans cette partie, pas dans le défi en tout cas. Oui. Simple dans l'autre sens, c'est pas grave. Tac, 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 toi. Tant que t'es là, ça devrait être faisable avec un bras long.
Ici. Ici. Si, si, il y a besoin, il y a besoin. Oh punaise. Toi, tu vas pas pouvoir être rempli. Du coup, ici, on va décaler. Il va pas pouvoir prendre ici non plus. On redécale. C'est où c'est là? Ok, oui, là. Ah, j'ai plus de sable. Chercher des engrenages, je suis à peu près sûr de plus en avoir beaucoup. Et que pour ça, il en faut sûrement. Non, il faut pas d'engrenage. Ok, c'est les rouges qui ont besoin d'engrenage. C'est pas grave, j'en aurai pour la suite. Ça, normalement, on s'en fout. Sérieusement. Ça alors que j'aurais pu juste produire des comment ça s'appelle, j'aurais pu juste produire des machins à la place, des trucs qui détruisent. Et qui détruisent la roche. J'ai totalement oublié le nom. Explosif de falaise, un truc comme ça. Juste au cas où. On se débrouillera, genre...
Je mange un petit peu, mais c'est pas grave. Sérieusement. Voilà. Donc nous disions, pour les potions, j'ai... Pour les potions jaunes, j'ai les processeurs déjà d'avant, les châssis de robots volants et les structures à faible densité. Les processeurs, où sont-ils? Ils sont là, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont prêts. Ils devraient être prêts en tout cas. Ok, voilà. Et on va copier tout ça. Ouais. Si on colle ça genre là. Ça pourrait le faire. Tac, tac. Moi, mon plus gros souci là tout de suite maintenant, c'est que tout ça, je ne sais pas le... Je ne sais pas vraiment y mettre dans mes labos tels qu'ils sont. Organisé actuellement. On va voir comment ça se passe. Ok, on peut remonter plutôt. Plus de tapis, plus de tapis, plus de tapis. Pour changer. On va en rechercher. Sérieux? Là. Déjà, s'ils réussissent à me remplir ce tapis de potions jaunes, j'ai juste à les prendre et à les poser dans les labos, ça fera à peu près ce dont j'ai besoin. J'en ai besoin de combien? Enfin, j'en ai besoin de 300 quand même. Plus 1000. Ouais, non, ça fera pas du tout ce dont j'ai besoin. J'ai pas de... Alors, ça c'est bon. Et où c'est là? On va mettre. Tac, tac, tac. Non, tout est bon. On va profiter d'être ici pour enlever les fourreuses qui ne servent déjà plus à rien. Oh, j'ai pu tout enlever. La dernière fois, j'avais pas pu parce que j'avais trop de foutoirs dans mon inventaire.
Et cette fois, c'est passé. Légèrement surpris. Voilà. Alors, on a dit que c'était tout droit et un peu au sud même. J'y vais de nuit. Le meilleur moment. Non, il n'y a pas de camp par ici. Vous êtes sûr? Ces cailloux-là, j'aurais voulu les tomber dessus au tout début de la partie. C'est tout, alors vous venez de là, bah tant qu'à faire, je vais y aller, mais... Ça me paraît un peu loin pour cette attaque en particulier, l'attaque précédente, oui. Celle-ci, bof. Dire j'ai de la chance, la plupart des camps c'est beaucoup de tourelles et quelques nids qui sont accessibles. Enfin, en tout cas les derniers, les tout premiers non, mais les derniers c'est plutôt comme ça que ça a l'air d'être arrangé, ce qui est plutôt agréable. Pas avoir beaucoup de temps à passer à détruire les biters. Bon, j'ai... Ok, non, du coin de l'œil, j'ai cru que je crois que c'était. J'ai cru que le caillou était un baiter qui me suivait. J'ai un truc disparaître du coin de l'œil et j'ai cru que c'était un baiter. Il me semble que c'était ce caillou. Tac, 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 y'a plus beaucoup de charbon ici, hein. Si on enlève la pollution, est-ce qu'on a du charbon ailleurs? On a du charbon ici. Qu'il va sûrement falloir emmener en bas là. Ça fait pas beaucoup. Ouais, là c'est un peu limite en charbon. J'aurais dû me mettre sur un tapis pendant que je regardais la carte et que j'avançais pas. J'aurais au moins un peu avancé. Pas forcément beaucoup, mais au moins un peu, quoi. Et ben voilà, super, j'ai pas vérifié jusqu'au bout. Tout ça, je l'ai fait et il n'y en a pas un seul petit. Une seule petite plaque de fer qui a été utilisée. Pas une seule. On va continuer à faire quelques balles. Tac, tac, tac. Là, normalement, maintenant, ça travaille à fond. C'est l'essentiel. Il y a un peu de jaune. Pas énormément, mais il y a un peu de jaune.
C'est un peu chelou, mais c'est faisable. Falloir plus de cambra. Ça passe pas. Ok, alors il y a lui où ça passe pas, du coup on peut faire un truc du genre. Ça passe. Donc lui est alimenté en tout, mais le truc c'est que c'était pas là, c'était là qu'il fait. Toi. Tac. Mais lui est un peu tout seul, donc il va falloir. Et il dit ça. Voilà. Ça m'a l'air correct. Lui ne travaille pas, mais toi, t'es carrément en dehors. Donc toi, c'est juste mort. Et on va faire comme ça, peut-être pas ouf, mais on va faire comme ça quand même, quoique il y a besoin de si on va faire comme ça, voilà. Peut-être pas oufissime, mais comme ça il y en a autant qui travaillent qu'avant. On n'a pas eu besoin d'exploser ça. Tout va à peu près pour le mieux. Alors, dans les raisons de pourquoi chacun ne travaille pas. Hop là, ce sera plus clair comme ça. Eux travaillent du début à la fin, eux de la fin au début. Donc tout va bien. Il n'y a pas du tout assez de circuits verts. En même temps, on en reprend ici, donc c'est pas très étonnant. Et j'étais au courant qu'il fallait que j'améliore la production. J'en ai besoin pour les circuits rouges aussi, punaise. J'en ai besoin aussi pour les circuits rouges. Tac, tac. Ben, faut que je fasse ici de quelques trucs de production de circuits verts.
falloir emmener du cuivre, mais il y en a qui arrivent ici. Je pourrais emmener d'autres, mais le fer, ça sera un poil plus compliqué. Mais on va se débrouiller. Hop. Hop. C'est coincé. T'es bien aligné. Et hop. Alors. On va déjà ramener le... Non, on va mettre les machines. On met les machines. Peut-être les poteaux électriques. De faire ça et d'en enlever trois machines. Voilà. Hop. Non, les poteaux, on s'en fout. Alors, le truc, c'est que. Bien. Non, ça c'était bien. Ça c'était bien. Le truc c'est que... Voilà. Et voilà. Ok. Ça c'est bon. Et... Là, faut ramener le fer. Alors, ramener le fer. Gna gna, on s'en fout. Ramener le fer par ici, ramener le cuivre par là. Ouais, mais il va me falloir une nouvelle ligne de cuivre. Et la ligne de fer, je sais pas. Il me faut une à deux nouvelles lignes de cuivre. Alors, je peux peut-être en faire passer une ici, comme celle-ci au final. Ça me paraît cohérent. Ça me paraît bien ici. Hop là. Ok. Alors là, par contre, on va jongler un petit peu. On va d'abord regarder si ça nous va avant de tout mettre.
Voilà. Donc le cure est en train de se produire. Là-haut, les unités de contrôle de la fusée sont presque bons. On en est où? Ouais, on en est que ça produit pas des masses. Oui, on ramène le cuivre. Vu qu'il y a quand même beaucoup de tapis à remplir, il faut d'abord ramener. C'est plus important que le reste. Alors. Le fer, par contre, j'ai plus de mal. On peut le faire revenir là aussi, mais ici, il n'y a plus beaucoup la place. Parce qu'en gros, lui, je l'ai pas ramené, mais les circuits verts, je vais vouloir les ramener. Oui. Quelque chose comme ça. Donc là, c'est un peu blindé. Faut que je passe par en haut, d'une manière ou d'une autre. Ouais. J'avais commencé à prévoir, mais faut que je le fasse vraiment. Il n'y a quasiment plus rien qui recherche. Bien monté. On va voir où est-ce qu'il y en a besoin. Alors la priorité en sortie à gauche quand même, vu que là va y avoir de l'aide qui va se greffer, il n'y a pas besoin de plus. J'ai envie d'arriver jusque là, hein. C'est pas grave si ça fait un grand tour. Tac, je vais juste essayer d'éviter le poteau. On va être large même. Ah, plus de tapis. Encore. J'ai beaucoup de soufre. Je souffre beaucoup. Va falloir que je m'en débarrasse si possible. Voilà. Alors niveau soufre, c'est bon, c'est débarrassé.
Voilà. Tracy aussi. Pourquoi j'avais pas relancé ça? J'avais juste pas regardé, c'est ça? Il va me falloir quoi? Il va me falloir des plaques d'acier. J'ai plus de bras, plus de plaques d'acier. Tout va bien, tout va bien. Petite cinquantaine sur moi. Tac tac. Au milieu, c'est un peu la mouise. Alors la fusée. On va faire comme ça. Ok. Et bah du coup la même chose de l'autre côté. Et par contre, cette fois, c'est l'inverse. Voilà. Bref, ça aurait pu être mieux, mais voilà. Nous avons donc un tapis complet, même archi complet, qui se déverse un peu pour faire plus de rouge et pas mal quand même pour aller aider à faire ça. Et les bleus. J'ai pu faire ça. Bouffer énormément, je pense, aussi quand même.
vous plaît. Je veux quelques modules de productivité parce que plus que la vitesse, je sais que vous ne savez pas produire. Ça. Si on peut faire ça, ça m'arrange de pouvoir passer. Et il faudrait qu'on puisse commencer à faire des modules de productivité améliorés. Pour ça, on va juste les prendre pour le moment. Il va me falloir des processeurs. Oh, il va me falloir masse de processeurs. Ouais. On va faire avec ce que j'ai pour le moment. Hein. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de stock de verre jusqu'au bout, c'est qu'il n'y a pas de stock de verre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autant de verre. Enfin, c'est qu'on a besoin de plus de verre. Mais on remplit le tapis quasi entièrement. Quasi parce que... Parce qu'il nous manque du cuivre, il nous manque du cuivre même en entrée. Tac, 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 il nous manque du charbon. Il nous manque du charbon. Ouais. Ouais, 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 il nous manque du charbon de partout. Partout, de partout, de partout. Bien. Si c'est bon, j'ai quand même quelques tapis d'avance, ça devrait aller. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est arriver avec les le charbon du nord ici. Oui. Un truc qui finit comme ça. Et le charbon du nord, comme on dit, on le rejoint là. Alors, sachant que ici c'est pour le plastique, c'est quand même intéressant. J'ai pas confiance dans l'autre. Faut que ça fasse du moite-moite. Faut que ça fasse du moite-moite. Hop. Non. Et là, il faut que j'aille chercher du charbon. Il faut absolument que j'en trouve un peu plus. Là, j'ai un radar. J'ai pas ça date d'il y a une semaine et j'avais pas noté où est-ce qu'il y aurait plus de charbon. Je ne pensais pas en avoir besoin de plus que la base. Mais apparemment c'est le cas. Donc il va falloir que je réussisse à m'en sortir avec tout ça. Là, nanana. Attendez, j'ai dit que j'avais pas assez de cuivre à cause de l'entrée. C'est un peu vrai.
Mais c'est surtout, il faudrait limite deux lignes de cuivre, ok. Tac. Sachant que tous ces fils, ils sont plus ou moins utilisés, plus ou moins pas utilisés. Je peux peut-être prendre ça, le dédoubler et en faire ce dont j'ai besoin. Ce fil n'est pas hyper utilisé. On va faire ça. Nanana. Je fais juste tout ça avant de terminer l'épisode. Tac. Tac. Je suis déjà allé trop. Hop, hop. Voilà. Et là. On prend en priorité. C'est ce qui vient de la droite. Ici, on pourrait même poser un radar là-bas au bout. De toute façon, c'est un endroit qui n'est pas visible par nos radars actuels. Donc, aller le plus loin possible, juste pour, bon, déjà y voir et espérer capter un poil plus loin au cas où. Tac, tac, oui. Et comme je le disais il y a quelques ondes, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc on a fait les potions jaunes et un peu l'approvisionnement, un peu beaucoup l'approvisionnement en circuit vert au moins. D'ailleurs je vois que ça sature un petit peu, donc c'est possible qu'on essaie de sortir une ligne de vert pour faire un détour et arriver directement ici. Je ne sais pas. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais, bon, on va voir. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, me dire si j'ai fait une grosse erreur que bah du coup j'aurais pu mieux faire. En tout cas, il restait 3 heures, il en reste 2. On a commencé le silo à fusée. Il va falloir vite que je me mette à faire ces 3 trucs là. Sachant que les structures à faible densité, on en fait, c'est juste qu'on n'en stocke pas. Donc il va falloir qu'on en stocke beaucoup. Il va falloir qu'on fasse plein de trucs. Et voilà. Allez, à bientôt.